Et bonjour, bienvenue sur la Coupe de France 2017 qui se déroule ailleurs. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la toute première épreuve de la compétition, c'est-à-dire le parcours physique. L'idée, c'est de reproduire les effets physiques du stress. C'est un état qu'on essaye de maintenir après sur l'ensemble des différentes épreuves, de façon à les mettre au maximum en situation. Le parcours lui-même, il y a un sprint sur une cinquantaine de mètres. Il y a une épreuve assez compliquée qui est de tirer une charrette plus ou moins chargée dans du sable. Des petites épreuves de multibond, des flexions, des pompes, voilà. Pour les individuels, une sortie sur une situation de secourisme et d'assistance à une personne qui se fait agresser. Aujourd'hui, j'avais en charge un atelier, on peut dire, de transition. Le but était de garder en stress tous les participants. Et on a mêlé, vu le temps, comme il a fait beau aujourd'hui, un peu d'eau. Ça les rafraîchissait en fait en même temps. Pour les équipes, à la fin, c'était comme un genre de relais. Quelqu'un faisait une épreuve, il attendait que l'autre finisse pour pouvoir enchaîner à son tour. Eh ben moi, je suis sur le troisième atelier de la Coupe de France, c'est l'atelier méthode sportive. En individuel, on part sur des enchaînements de pieds-points, de liaisons jusqu'au sol et de techniques de finalisation au sol. L'important pour nous à ce moment-là, c'est de voir justement cette liaison, si les gens sont capables de faire un enchaînement pieds-points classique comme on peut voir dans les arts martiaux traditionnels, mais aussi de pouvoir emmener le combat au sol ou pouvoir se défendre si jamais il se retrouvait au sol et que le combat devait continuer avec des frappes et de pouvoir soumettre le partenaire qu'ils ont en face. Ensuite, pour la partie travail en équipe, on va leur laisser libre cours. Ils vont disposer de 2 minutes pour nous faire une démonstration technique de leur art. De cet atelier, ils vont rebondir sur l'atelier self-défense où on va voir leur dextérité sur des techniques de self-défense à main nue ou avec bâton face à un couteau, face à une batte de baseball, sur une saisie. Le but pour les participants était de dégager l'agresseur de sa victime, la victime de l'agresseur, de protéger la victime et si possible de maîtriser l'adversaire. Bon, après, on a fait le petit mélange aussi avec une partie un petit peu assistance à personne agressée, c'est-à-dire on a inclus dedans la partie Croix-Rouge. Aujourd'hui, j'avais la responsabilité du club Self Défense Démonstration. Le but étant de voir le panel technique et tout le bagage lexical que peuvent exprimer chaque élève sur toutes les épreuves. Donc imposer des attaques et des défenses bien précises pour voir la compréhension, la capacité d'adaptation selon sa morphologie et l'agressivité de l'adversaire. Ensuite, l'inventivité. On leur demande d'imaginer une attaque et de pouvoir à ça faire une défense qui reste cohérente. L'avantage, c'est qu'on va voir s'ils savent juste faire 2-3 techniques ou si vraiment ils ont de l'ingéniosité, de l'inventivité. Le but, c'est quand même de nous surprendre et c'est de leur laisser un champ de manœuvre. Ce qui est vraiment satisfaisant, c'est voir la façon dans laquelle ils se sont tous jetés dans les épreuves. Ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas compté. Il n'y a pas eu de réserve, ils n'en ont pas gardé sous le pied. Ils ont tout donné de la première à la dernière épreuve. Je pense que leur plus grande victoire, ça va être de se dire « J'ai tout fait, j'ai tout fini, j'étais fatigué, c'était dur, j'ai peut-être pas gagné, mais au moins je suis allé au bout. » C'est une vraie grande satisfaction. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de participants. On a été très contents de leurs prestations, notamment de leur engagement. Ils ont donné techniquement, alors avec des niveaux qui varient, mais dans l'ensemble, très bon esprit. Je pense que le niveau était quand même assez élevé. J'ai été très étonné par des jeunes qui se débrouillaient déjà très bien. Franchement, des jeunes avec un beau devenir. Franchement. Cette compétition cette année continue à grimper. L'année dernière, 70 participants. Cette année, plus de 100. On se retrouve avec plus de monde. La fédération qui continue à nous donner les moyens pour développer notre Coupe de France. C'est vraiment un esprit de camaraderie tout en étant sérieux. Aïto un jour, Aïto toujours. Aïto un jour, Aïto toujours. Eh ben, la même que les copains, Aïto un jour, Aïto toujours.